À Alep, une source militaire a déclaré que les forces gouvernementales et leurs alliés avaient pris le contrôle total des districts abandonnés par les rebelles durant leur retraite. La défense rebelle s'est effondrée lundi, permettant l'avancée dans plus de la moitié du territoire tenu par les rebelles. Cela constitue la plus grande victoire sur le terrain du président syrien Bachar al-Assad et de son armée constituée de troupes syriennes et iraniennes, avec l'aviation russe et diverses milices chiites.